Marcel n'est pas ce qu'on appelle un intellectuel. Marcel, Marcel, comment on l'appelle? Moi je l'appelle Marcel, il ne répond pas, mais il a pas sa démarche gauche. Et l'on peut voir dans son regard comme une lueur intelligente. C'est de quoi j'ai envie, il est pas si beau. Tu sais que c'est de son vie, bourreux, corps d'athlète. Je pose ma main sous son beau bras, puis m'arrive-t-il sa petite. Il me suit sur le curieux refrain. Tiens, voilà le boulin. Et puis en roulant les airs, oh le grand Nigo, il me dit, je vais te faire le fameux coup du lait jaune. Il sable chaud d'un agent étranger. J'aime son heureux caractère, petite affaire, c'est pour ça que je dis que l'amour, même sans amour, c'est quand même l'amour qu'on prend. Celle qui croit que mon Marcel, ce n'est qu'un manuel, connaissent rien, y'a que ses mains qui font des choses bien. Puis d'ailleurs, moi, j'ai pas le temps de voir qui est Marcel, car mon Marcel, il me harcèle. Marcel, 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 c'est comme s'il y avait deux vies. Né, enfant, j'ai envie, j'irai même qu'il a si vigoureux appétit, que je jurerai parfois qu'il a divinement fait tout ce qu'il faut faire pour mon contentement. Il sait de quoi j'ai envie, il n'est pas si bête, il sait que c'est de son vigoureux corps d'athlète, j'aime son heureux caractère, il sait l'affaire et c'est pour ça que j'ai dit que l'amour sans amour, c'est quand même un mot qu'on comprend qui peut.